Yesu azana bomoi. Apambo la bisona kombo la Jesu Christo. Merci. Lokolo yembelie ou binelie. Aza certainement sûr. Et Bongana est déjà effandi. Asa fandeli déjà est Bongana. Ok. Si vous voulez bongia l'obé la biso. Sambe la bien-aimé, Yem Saranzambe a disposé vraiment mon thème na yo pour na kolanda di kamboyo attentivement. A fungola di toi na yo po yo kalokola moye koli a yo kaka. Nyon se komima, ememe la yo li sungi kati na bon mo ina yo. A utilisé puissamment mon bon mosadi na ye, to sambeli na kombo na Yesu Christo. Kolo, Yesu Christo. Aux Zambé, au Gothique, à la Sébos Zambé. A Zotique, un moment favorable pour eux, à ma boko na yo moule. Et de oye langa de souki, Kolo. Disposé, yanga mayele, pe ma kandisi, na tango yo katino bisika. Yahweh, na tine tena landa, nyonso yo kote isa ma katino bisika na bokebi. On a tina na koyoka ango distinctement. Pe koti a yango na misala. Bongisa motema na ngai lokola mabele kitoko. Po na ndibisa mete liloba oyo ezobima eza mboto to pe mbuma ya kitoko. Liloba ngo eza la fois mbula. Yawe Nzambe ekuta ngai une bonne terre po ete nazala ensemase pe abose o kolo Yesu Kristo afin que bomboi na ngai epoka. Kisa ngo on a le bon naïo, utilisé puissamment, Moussadi naïo comme base d'honneur pour l'usage utile dans la maison du roi. Pour qui s'en compte, le bon naïo, dans le bon Jésus Christ. Amen. Amen. Ok. On a toujours télévisé à Moussakoli, et l'on a un bon goli kota, qu'on a tiré à Napoya, côté à Bissot. Que le Seigneur Jésus-Christ apporte la moko na moko. Zambé ya sale na yokola mumingi. Fasse du bien. Yeo ya pesio tango ya kolanda parole. Lui qui t'a accordé ce temps de suivre la parole. Et ton débisami ki nzamba sala ka yeloko pamba te. Et nous savons que le Seigneur ne fait rien en vain. S'il t'a appelé, c'est parce qu'il a une bénédiction qu'il a préparée en ta faveur. Il connaît tous tes problèmes. Avant que la chose ne commence, elle connaît déjà comment est-ce que cela va finir. Donc il faut avoir la confiance par Zambé. Donc il faut être très confiant à l'égard du Seigneur. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation qui peut venir, sache que comme elle avait commencé, et cela prendra fin. Aie confiance que l'Écriture est au loba. Aie confiance à ce que dit l'Écriture. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nanzambe to kosala bika moi. Écraser ma ennemi na biso. Ye akonyata banguna na biso. Confiance wana fuzala na kati na yo makasi. Et cette confiance doit être en toi. Dieu te bénisse. Zambe apambola yo. Et l'autre, aujourd'hui, on a quatrième saut. Aujourd'hui, nous allons débuter le quatrième saut. Le travail au Tozan Ayango, le 15 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2021. Vendredi. Le vendredi. Nous allons continuer l'enseignement sur les sept sauts. Nous continuons notre enseignement sur les sept sauts. Ah ouais, on a assemblé des saints, il y a Ariwara.
ici dans l'Assemblée des Saints d'Ariwara, la province Ituri na est RDC, dans la province de l'Ituri à l'est de la RDC. Toutes ces précisions, c'est pour ceux qui nous suivent au loin à partir des réseaux sociaux. Et nous allons écouter ça d'abord que moko na moko sokoza na question. Et nous montrons que chacun de nous, si il a une question, il faut toujours poser. Il faut toujours poser une question. Il faut koyeba aussi. Il faut aussi savoir. Singeli na yeba pe lolenge ndekozo comprendre aussi l'enseignement. Il faut que je sache comment est-ce que tu comprends l'enseignement. Yango ndeko faciliter aussi que toi avancer. Et ce qui va faciliter que nous puissions aussi avancer. Okoma na popo na yo na de comme Soussou, un autre frère, n'importe quoi, un disciple. Je peux te choisir toi ou un autre frère ou un disciple de la parole. Parce que un disciple sera capable de répéter l'enseignement. Parce qu'un disciple doit être capable de répéter l'enseignement. Il suivre une discipline. Il suit une discipline. Donc il faut. Il faut s'accomplir ce qu'on avait dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Osa la capable ya kopé sango ba homme capable. Et sois capable de les transmettre aux hommes capables. Ba homme wana bazala aussi capable ko yebisa ba mususu. Et aussi doit être capable de les enseigner aux autres. Donc dès que tu dois enseigner boye. Donc comme nous enseignons comme ça. Oyo azali attaché près du ministère comme ma discipola, osa capable ko répéter. Et celui qui est très attaché ou près du ministère doit être capable de répéter l'enseignement. C'est ça le ministère de la parole. Yango ne mosala le tomo. Et surtout que Nzambe fongola mingi na kati na biso. Et nous voulons surtout que le Seigneur ouvre en nous. Ba grâce na ye. Ba ngolu. C'est ça souci wana ya esprit wana ya travail. Et c'est ça l'esprit du travail qui nous anime. L'Église zalaka. Temps à passer, bah, débat, bah, partage, c'est bien. Et que l'Église ait le temps de débat, de partage sur la parole. Et voir aussi comment est-ce que les gens croissent dans les choses du Seigneur. Parce que Paul a l'obanki dans 2 Corinthiens 3. Parce que Paul avait dit dans 2 Corinthiens 3. Dans le Bible, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans nos croire, dans Koloba. Moi, je crois, c'est pourquoi je parle. Et Dieu bénisse. Amen. Ngo tozali kotanga na kombo na Yesu Kristo, verset 7 na 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 6, le verset 7 à 8. Tozana quatrième saut. Nous sommes au quatrième saut. Quand il ouvrit le quatrième saut, Dango afungola kindanga ya minei, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. J'ai regardé et voici pari un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Les pouvoirs leur furent donnés sur les cartes de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse la lecture. Nous nous rasseyons. Nous t'arrêtons surtout que la parole du Seigneur. Nous montrons surtout que la parole du Seigneur. Nous l'engagez Zambé à classer sa propre parole. Tel que le Seigneur l'a classé. Azoa qui d'abord un peuple. Le Seigneur avait pris d'abord un peuple. Nakati y a un homme appelé Abraham. Dans un homme appelé Abraham. Que Esaïe 51 lobby. Parce que Esaïe 51 nous dit. Zambé a bengaki un seul homme. Le Seigneur n'a appelé qu'un seul homme. Esaïe 51. Esaïe chapitre 51. Verset 1er et 3e. Du verset 1er jusqu'au verset 3. Il faut la nagana boke bimakasi par la grâce de Dieu. Il faut que tu me suives avec beaucoup d'attention par la grâce du Seigneur.
Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur les craies de la force, d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. C'est la parole du Seigneur. Zambé a confirmé qu'il a benga mutu moko. Le Seigneur confirme qu'il n'a appelé qu'un seul homme. Abraham. Il a appelé Abraham. Donc, dans les ténèbres qui étaient sur la terre, le Seigneur a dit que la lumière soit. Le Seigneur avait dit que la lumière soit une seule personne qu'il avait appelée. Et dans cet homme-là, et a pesaki sa parole. Et il avait donné sa parole à lui. Psaume 147, verset 19 et 20. Comme nous le dit Psaume 147, le verset 19 à 20. Dieu a zopé sa parole à Israël. Le Seigneur révèle sa parole à Israël. Israël a zani postérité d'Abraham. Et Israël, c'est la postérité d'Abraham. Mais a pesi ba nation te parole. Mais il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et c'est ce que nous lisons dans Psaume 147. Psaume 147. Et verset 19 et 20. Le verset 19 et 20. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Loué l'Éternel. Les versets 19 à 20, il y a psaume 147. C'est les versets 19 et 20 de psaume 147. Zambé a joué qui parole naïe. Le Seigneur avait pris sa parole. A pesa un peuple cette parole. Et il a donné à un peuple. Israël. Qui est Israël. Mais dans cette parole, le Seigneur aime ce qui est. Mais cette parole, le Seigneur lui avait dit. Ce qui est aussi parole terre. Si tu n'obéis pas à la parole, j'enverrai tes ennemis pour te combattre. C'est pourquoi nous prenons Deutéronome 28. Ce qu'on suit verset 1er, tiens le verset 14e, il y a Deutéronome 28. Si vous prenez le verset 1er ou verset 14 de Deutéronome 28, là, Zotalisa, ce qui Israël a aussi la parole. Là, le Seigneur montre si Israël obéit à la parole. Azotalisa, ma bénédiction, Oyo et Gozalanaï ensemble. Et le Seigneur parle des bénédictions qui seront ensemble avec le maintenant, peuple. Maintenant, à partir du verset 15, il y a Deutéronome 28. Deutéronome 28. Azotalisa, ce qui Israël a rejeté la parole. Le Seigneur montre si Israël rejette la parole. Maintenant, Bandikolo Baba, malédiction et coco, mais là, il y a ce qui parole. Maintenant, le Seigneur parle des malédictions qui lui arriveront si il rejette la parole. Dans le verset 15, il y a Deutéronome 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Sokobani na verset 16e. Si tu commences à partir du verset 16. Ok, même tu na verset 68e. Et tu te rends même jusqu'au verset 68. Azotali saba châtiment oyeko komela Israël ce qui a rejeté la parole. Le Seigneur montre les châtiments qui arriveront à Israël s'il rejette la parole. Mais na kozwa parmi yango quelques châtiments. Mais je prendrai quelques châtiments parmi ces châtiments. Le Seigneur a le biboué. Le Seigneur dit ceci.
Na toujours Deutéronome 28. Toujours dans Deutéronome 28. Tozui na verset 59e. Dans le verset 59. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tozui même 49 na. Le verset 49. 49. L'Éternel fera partir de loin. Yahweh a kouti sa na musika. Des extrémités de la terre, et pas y a bicolo ya mabele, une nation qui fondra sur toi d'un fort d'aigle. Ekolo moko ekoyela yo na lomba kolokola ko bimbwa ya pongo. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les fruits de tes troupeaux. Et les fruits de ton sol. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, mafuta, ni portée de ton gros et de ton mini bétail. Jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Wana natangi parmi les malédictions. Ici, j'ai lu parmi les malédictions. Oyo le Seigneur a ébisaki Israël ce qui a waki parole. Que le Seigneur avait averti à Israël au cas où il rejetterait la parole. Le Seigneur a causé une nation ekoya comme dans un vol d'aigle. Le Seigneur fera partir une nation de loin et fondra sur lui comme dans un vol d'aigle. Et ya dominer. Pour venir dominer Israël. Tozui témoignage mususu na Lévitique 26. Nous prenons un autre témoignage dans Lévitique 26. Le lengue moko alobi na Deutéronome 28 place d'Otikotanga. De la même manière, il a dit dans Deutéronome 28 où nous venons de lire. Dans Lévitique 26, il peut attendre ici que quand Israël obéit, dans la bénédiction kokomerae. Et dans Lévitique 26 aussi, il a montré les bénédictions qui arriveront sur Israël s'il est obéissant. Là, à partir au bandit dans verset 3e, au kéiti dans verset 13e. Là, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Il y a verset chapitre 26 et Lévitique. Du chapitre 26 de Lévitique. Mais tant au commun verset 14. Mais lorsque nous arrivons au verset 14. Il y a Lévitique 26. De Lévitique 26. Là, Bazo expliquait ce qui Israël a désobéi à la parole. Là, on nous explique si Israël désobéit à la parole. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 14, il y a Lévitique 26. Tina 16. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements que je vous et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Cette portion est verset 16e. Je prends seulement cette portion du verset 16. Maintenant, si on continue verset 16, dit ok, verset 39. Maintenant, si tu continues le verset 16 jusqu'au verset 39, Israël. On est en train de montrer les malédictions qui arriveront sur Israël. Ceux qui a rejeté la parole. Si il rejette la parole de Dieu. Nazui parmi ma malédiction ce qui Israël a quoi qui parole. Je prends quelques-unes des malédictions si Israël rejette la parole. Nazui verset 21, 22, 23. Je prends le verset 21, 22 et 23. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, ceux qui binobotelemelingai, je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés.
J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur a lobby. Le Seigneur a dit, ceux qui vous ont accouté sa tête, vous ont résisté ma parole. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, nakotinda des animaux. J'enverrai des animaux de champ. Bakoya pour détruire. Ils viendront vous détruire. Mais tant que vous êtes dans les Écritures de Dieu, mais lorsque nous regardons dans les Écritures, le Seigneur a comparé les nations à des animaux. Le Seigneur compare les nations de la terre aux bêtes des champs. Donc, Écriture au total, qui est verset 49e de Deutéronome 28. L'Écriture que nous avions lue au verset 49 de Deutéronome 28. Que le Seigneur a compris dans une nation. Que le Seigneur enverra une nation. À Koya. Pour dominer Israël à Koya comme dans un vol d'aigle. Qui viendra dominer Israël comme d'un vol d'aigle. Dans Lévitique 26. Dans Lévitique 26 maintenant. Alors bien clairement, ce sont des animaux des champs. Le Seigneur l'a dit clairement sous, dans les termes des animaux des champs. Que Bakoya pour ne pas détruire la maison d'Israël. Donc ces animaux-là viendront pour détruire la maison d'Israël. Et à continuer encore. Et il continue en disant. Dans verset 25e. Au verset 25. Les animaux des champs continuent déjà dans le verset 22e. Les animaux des champs qu'il enverra, c'est au verset 22. Et tant que nous autant à Daniel chapitre 7e. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 7. Daniel a reçu songe. Daniel a reçu le songe. Tant qu'il a reçu songe. Lorsqu'il a reçu le songe. Dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7. J'ai lu cela au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Voula y aller bosser à Bokondi à Belshazzar, Bokondi à Babylone. Daniel y a un songe. Daniel a soit Kindoto. Et les visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes. Et racontant les principales choses. Daniel commença et dit. Daniel a banda qui pe a lobi. J'ai regardé pendant ma vision nocturne. Nazala ki kotala na tango nazwa ki moni selia mutu. Et voici les quatre vents de ciel firent éruption sur la grande mer. Tala ba mi pepe mine ya makolo ya ki kokwe ya makasi likola mayambu monene. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Pe ba nyama mine ya minene ba bima ki kouta na mayambu ba keseni ba moko na ba susu. Le premier était semblable à un lion. Ya liboso akokana ki na kosi. Et avait des ailes d'aigle. Pe azala ki na mapapu ya mpongo. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Pe natala ki na tango ete mapapu na ye bakata ki yango balongoli yango. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Pe ye batombola ki ye atelema pe atelema ki lokola moto. Un cœur d'homme lui fut donné. Pe ba pesa ki ye motema neti ya moto. Et voici un second animal était semblable à un ours. Azala ki loko la ours. Et s'était né sur un côté. Pe azala ki kote le manangambo moko. Il avait trois côtes dans laquelle entre les dents. Azala ki na bangambo mibale na monoko katikati ya mi. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Pe azala ki koyebisa etelema pe lia misuni ebele. Après cela, j'ai regardé. Pe na sima wana na talaki. Et voici un autre était semblable à un léopard. Pe tala nyama ya misato akokanaki na koi. Et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau.
Cet animal avait quatre têtes. Et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Tant que tu verset 15 à 17, lorsque nous prenons les versets 15 à 17, toujours à Daniel 7, toujours du même chapitre de Daniel, moi Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi. Daniel, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me l'a dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui se lèveront sur la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Donc, awa tomoni Daniel amoni les animaux likolo ya mai. Ici, on voit Daniel en train de voir les animaux sur la grande mer. Dieu parle de plusieurs manières. Zambe alobaka na balolenge ebele. Akoki kotali sa et pas ya tel prophète. Chez tel prophète, il peut montrer les animaux. Banyama. Et pas un prophète Moussousou. J'ai un autre prophète. Atalisi yango comme aussi insectes. Il parle de ces animaux-là comme des insectes. Banyama. Pourquoi? Pour Nanini. Ils ont tant oiseau considéré Israël comme un arbre. Il parle de ces animaux comme des insectes lorsqu'il considère Israël comme un arbre. Sokozu na psaume 80. Si vous prenez psaume 80. Na verset. Au verset 9, l'Écriture nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 80, verset 9. Psaume chapitre 80, le verset 9. Tout autant à Daniel 7, pourquoi? Pourquoi nous venons de lire Daniel chapitre 7? Parce que Bazolo Bela Naba, animaux. Parce que dans Daniel, Daniel parle des animaux là-bas. Pourquoi Tosuyango? Pourquoi nous avons pris cette écriture? Oui, parce que tout autant qui Lévitique 26. Parce que nous avions lu Lévitique 26. Verset 14, tina 16e. Le verset 14 jusqu'à 16. Ce qui Israël a rejeté la parole. Si Israël rejette la parole. Tout à la kiba malédiction qu'on commet à Israël. On avait vu les malédictions qui arriveront sur Israël. Et tout ce qui mène à le verset 21, tina verset 23e, il y a Lévitique 26. On avait pris maintenant le verset 21 au verset 23 de Lévitique 26. Le Seigneur a continué de la bango les animaux des champs. Le Seigneur enverra contre eux les animaux des champs. Oyo, akoya pour détruire bango. Les animaux qui viendront les détruire. Ndetolobi boye. Alors nous avions dit que le Seigneur tangape sa parole et pas ma prophète. Et lorsque le Seigneur donne la parole à ses prophètes. Tozoaka écriture ya Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Nous prenons l'écriture de la lettre aux Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Et le Bible autrefois et de plusieurs reprises, de plusieurs manières. Tango nakala na kobandelaka ebele pe na balolenge ebele. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Zambe alobelaka batata na biso na nzela basa. Donc et pas à ma prophète Zamba lobaka na balolenge ebele. Donc chez les prophètes le Seigneur parle de plusieurs manières. Aboki ko présenter nation comme Banyama. Donc, il peut présenter les nations comme les animaux du champ. Mais aboki ko présenter bango aussi comme
Donc, il peut aussi les présenter comme des grandes eaux. Là, Esaïe 8, versets 6 à 8. Là, vous pourrez lire Esaïe 8, le verset 6 à 8. Azo présenté à Syrie comme grand fleuve. Les seigneurs présentent le royaume d'Assyrie comme le grand fleuve. C'est pourquoi Esaïe avait dit dans Esaïe 59. L'ennemi viendra comme un fleuve. Mbuna koya lokola maya monene. Esaïe balote. Ce n'est pas le fleuve Congo. L'ennemi qui va venir comme un fleuve. L'ennemi qui viendra comme un fleuve. Esaïe tout un roi. Esaïe mon conti mon bimbama. Roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. Pour comprendre l'écriture Rwanda. Pour comprendre cette écriture. Il y a Esaïe 59. Esaïe 59. Bana verset 17e, tiens verset 19e. Commence à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Osui, Esaïe 8, verset 6 à 8. Et tu prends Esaïe 6, 8, le verset 6 à 8. Parle Béliango déjà. On en a déjà parlé. Et le roi d'Assyrie et son armée, sa gloire les a comparables à un fleuve. Et le roi d'Assyrie et toute sa gloire sont comparables aux grandes eaux, un fleuve. Donc, tant que Esaïe le bâti, que l'ennemi viendra comme un fleuve. Et lorsque Esaïe a venu, mon goût n'a pas eu le mot la Bible. Il parlait dans le roi d'Assyrie. Donc, l'ennemi, le Seigneur l'a présenté aussi comme un fleuve. L'ennemi, le Seigneur le présente aussi comme un fleuve. Il peut présenter aussi comme des animaux. Il peut aussi le présenter comme des animaux. Et Agogo soyez aussi le cola banyama miké, ba insectes. Il peut aussi le prendre comme des insectes. Yango. Azui Israël a présenté Israël comme un arbre. C'est pourquoi il présente Israël comme un arbre, la vigne. Dans Psaume 80, verset 9. Dans Psaume 80, le verset 9. Il faut faire l'effort tout temps dans nous ensemble. Il faut faire un effort qu'on puisse marcher ensemble. Nenge nazo kende boiza poi et rendre ma kambo facile. Cette marche, c'est pour rendre facile ce que nous voulons dire. Vous aurez la facilité à comprendre. Que tu aies la facilité de comprendre. Parce que l'occasion se est en Apocalypse. Parce que tout ce qui est dans Apocalypse. Zambé à l'obéla qui a mon âme n'élilingi. Le Seigneur en avait déjà parlé dans l'ombre. Maintenant il faut mon n'élilingi encore très bien. Maintenant tu dois bien voir cet ombre là. Pour t'aller ça ce qui a été et ce qui sera. Pour montrer que oh et salakane oh et koya. Yango toujours psaume 80 verset 9e. C'est pourquoi nous avons pris psaume 80 le verset 9. Tous autant d'aboué. Nous lisons au nom de Jésus. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Yo picola qui n'a pas que Égypte vigne encore. Tu as chassé des nations. Peu que yo bengani picolo. Et tu l'as planté. Peu aussi vigne wana oloni yango. Awa moyembi Asaf. Ici le psalmiste Asaf. Azumona libota nyoso ya Israël ni bazou te Égypte. Il voit tout le peuple d'Israël en provenance de l'Égypte. Le Seigneur le voit comme un arbre. Vous êtes dans la Amen. Il voit le Seigneur comme un cultivateur. Il voit le Seigneur se rendre en Égypte pour arracher un arbre. Et pour amener cet arbre, il a regardé la terre de Cana. Il a chassé les nations qui occupaient cette terre. Et puis il a planté son arbre. Et c'est de ça que nous parle le psaume 80, le verset 9. Ah, Asaf a prophétisé. Ici, Asaf est en train de prophétiser. Deuxième encore prophète Esaïe. Nous prenons encore le prophète Esaïe. Dans Esaïe 5. Dans Esaïe chapitre 5. Kuna, là-bas. Dans Esaïe 5, maintenant, va déterminer vigne ou en Esaïe Israël. Dans Esaïe 5, on a déterminé ou identifié cette ville comme la maison d'Israël. D'autant qu'il y a parti du verset 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens, au verset 5. Jusqu'au verset 5. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé. Sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Molinga minanga ya salaki na vigne moko na mapele oyepesa kambuma. Na sauté na ke directement au verset 7. Je saute pour aller au verset 7. Il y a Esaïe 5. Esaïe 5. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Vigne ya Yahweh na bibele zalinda ko ya Israël.
Que Dieu bénisse. Amen. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'ils chérissaient. Je retourne au verset 2. Il en remua les sols. Au talibier. Et il mit un plan délicieux. Donc, pour remuer les sols, donc remuer les sols, on montre vraiment le travail d'un cultivateur. Mais travail qui Josué a chassé ma nation. Mais ce travail en personne comme ça dans la pratique, c'était Josué qui chassait les nations. C'est comme le Seigneur qui remit le sol pour planter sa vigne. Et c'est tout un peuple. Et sa vigne, c'est tout un peuple qui est Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Appelle à Israël des choses. Il avait donné deux choses à Israël. Donc, appelle la vigne des choses. Il avait pourvu à cette vigne-là deux choses. La cuve. La cuve et même le maïs. Oui. Et puis la tour. Betour, bisika, sentinelle, tout mon kengelia zalaka. Soki batunio, zamba pesa Israël nini. Si on te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur avait dans Balonie na Cana? Lorsqu'il a planté dans Cana. Pesa ibiloko mibale. Le Seigneur lui avait pourvu de deux choses. Cuve. La cuve. Betour. Et la tour. Tour, ils allaient place sentinelle zalaka. La tour, c'est le poste de la sentinelle. Et n'a qu'à bon à quoi avertir la ville ennemie en Zoya à sa telle position. Donc c'est pour aider les habitants de la ville à être avertis de la position de l'ennemi. Et Habakkuk a son lobatam Zamba son pèse parole. Et Habakkuk a dit lorsque le Seigneur lui donne la parole, Zamba est bien qui est tikalaga na poste na yo. Reste toujours à ton poste. Et y a l'obé na setena qui na tout. Il avait dit que je m'étais tenu à la tour. Donc la tour est une place à sentinelle. Donc la tour, c'est le poste de la sentinelle. Et le Seigneur a dit si Ézéchiel n'a établi yo comme sentinelle. Et le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Donc c'est que dans ce moment la tour. C'est-à-dire lorsque nous voyons la tour. C'est la prophétie. Et ça ne mosala lisako eni nakata libota. Le Seigneur a pensé qu'Israël, cet arbre-là appelé la vigne. Donc le Seigneur avait pourvu à la vigne qui est Israël. Les prophètes. Donc le prophète qui prophétisait. Salatou. Yango de tout. A pensé qu'Israël aussi la cuve. Il avait aussi donné à Israël la cuve. Cuve est à la capona comela, pona kosokola. La cuve, c'est pour se sanctifier. Il en bat salité, salité d'ongois. Laver sa robe lorsqu'elle est sale. La cuve, c'est sa sacrificature. Et la cuve, c'est ça, les sacerdoces, la sacrificature. Ce sont ces deux choses, ça va passer avec Israël. Et ce sont ces deux choses-là qu'il avait pourvu à Israël. Même quand il prend les rois. Même lorsque tu prends le roi. Bah, roi, bah, ça n'a qu'à ta prophète. Les rois sont dans le prophète. Et Dieu bénisse. Amen. Yango, alobi, ao. C'est pourquoi il dit ici. Dans verset 2e, il y a Isaïe 5. Au verset 2 d'Isaïe 5. Il en remua les sols. À Balousa qui m'a bêlé. Au dalle bien. À l'Okola qui m'a bêlé. Et il mit un plan délicieux. Et à Tia qui nous était à Kitoko. À Zakaka dans Isaïe 5. Il bâtit une tour au milieu d'elle. À Tomba qui tour, mon coli, na katikati ya. Et il y créza aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Donc après ça qui tourne à cuve, et ça qui pour vigne et botambouma malam. Le Seigneur avait pourvu au peuple la tour et la cuve pour que le peuple produise de bons raisins. Sacrificature et la prophétie. Donc les sacerdotes et l'œuvre de la prophétie. Même à produire Moumayamabe. Mais ils ont produit de mauvais fruits. Ce qui va produire Moumayamabe, cela veut dire désobéir la parole. La tour à Zagopé Saban. Donc s'ils ont produit de mauvais fruits, c'est-à-dire ils ont désobéi à la parole que leur donnait la tour. Yango le Seigneur a mis dans Matthieu 23. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 23. Au verset 37. Tiens. Au verset 37. Elle a mis Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, Yobo Makabasa. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Yobo Makanamabanga, Baibatina. Les prophètes là, ils ont tout. Donc le prophète là représente la tour dans maintenant, la prophétie. Maintenant, tant que Bazo rejeté ma prophète. Maintenant, lorsqu'il rejette le prophète, Bazo rejeté la parole qu'on lui a là-bas. Donc il rejette la parole qu'on leur apporte. Il
Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ils ne produiront pas de bons raisins. De la même manière, toi aussi aujourd'hui. Si tu repousses la parole, tu ne verras jamais la nature de la parole se manifester. Il faut considérer la parole. Et tu verras la nature de la parole en toi. Salaire n'a pas besoin de la vie éternelle. Et son salaire sera la vie éternelle. Et c'est pourquoi tu s'accroches à quand des pas Zambé. C'est pourquoi nous nous accrochons toujours au Seigneur. Parce que parce que être en Dieu, c'est vaincre la mort. Maintenant, remarquez dans Ésaïe 5. Maintenant, remarque dans Ésaïe 5. Tant que vous produisez fruits à ma bien. Maintenant, lorsqu'il produit de mauvais raisins, au total, ici qu'il va se désobéir la parole. Donc, on a montré comme la désobéissance à la parole. Verset 3 à 4 et le bien. Le verset 3 et 4 rajoute. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda. Sikoyo Kasi, Bafani à Jérusalem, ma paix, Batona Yuda. Soyez juge entre moi et ma vie. Bosa la basambisi, Yangai, Pena Vigno Nangai. Qui avait-il encore à faire à ma vie? Que je n'aie pas fait pour elle. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins? En a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vie. Voilà. Place tozande yangoyo. C'est là où nous sommes. Verset 5e. Le verset 5. Quand la vigne désobéit à la parole. Lorsque la vigne désobéit à la parole. Le lingue toutanga qui na Deutéronome 28. Comme nous l'avions lu dans Deutéronome 28. Ceux qui a désobéi à la parole. Si Israël désobéit à la parole. Le Seigneur a gotinda une nation. Le Seigneur enverra une nation. Qui viendra d'un vol d'aigle pour dominer sur Israël. Pour venir les détruire. Là, tout ce qui est verset 49. Là, nous l'avions eu au verset 49. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous l'avions aussi dans Lévitique 26. Nous l'avions aussi eu dans Lévitique 26. À partir du verset 14e, c'est dans 16e. À partir du verset 14 jusqu'à 16. Ce qui va rejeter la parole. Si le peuple rejette la parole. Il n'est qu'un verset 21 à 23. On s'était rendu encore au verset 21 jusqu'à 23. Toujours à Lévitique 26. Toujours du même chapitre. Le Seigneur a botté de la bangole les animaux des champs. Le Seigneur enverra contre eux les animaux des champs. Domoni les animaux des champs dans Daniel chapitre 7. Et on a vu ces animaux des champs dans Daniel chapitre 7. Va présenter quatre animaux. On a présenté quatre grands animaux. Par le béni lion. On a parlé du lion. Par le béni ours. On a parlé de l'ours. Par le béni léopard. On a parlé du léopard. Quatrième. Et le quatrième animal. Par pesika ka elimbo na yango mais Daniel a luki lo lingi ni amora na se amoni yango te. On a donné seulement son signe mais Daniel n'a pas su identifier cet animal parmi les bêtes de la terre. Aki ni amani ni amwaza boye. Daniel a cherché quel animal est semblable à cet animal. Mais ati keli biso parole moko. Mais Daniel nous a laissé une parole. Amona ki yango. Daniel l'avait vu. Cet animal avait 10 cornes. Maintenant, cet animal qui avait 10 cornes, c'est Jean qui le voit dans l'Apocalypse. Nous allons marcher petit à petit avec ça. Mais je suis d'abord ici au verset 5. Il y a Ésaïe 5. Toujours d'Ésaïe chapitre 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie. Vous voyez si quelqu'un plante sa vie pour faire en sorte qu'on ne vienne pas brouter sa vie par les bêtes des champs. Donc on met une clôture qu'on appelle aussi la haie. On est protégé en zété. Pour protéger l'arbre planté. Il faut évacuer la haie. Il faut savoir que cette clôture là. Oyo ba cultivateur ba sala kapona ba tela bilanga. Que les cultivateurs ou les laboureurs mettent pour protéger les champs. Maintenant dans le peuple Israël. Maintenant dans le peuple d'Israël. Ils les ont protégés Israël. Qu'est-ce qui protégeait Israël? C'est la gloire du Seigneur Israël qui est dans le temple.
Lorsque le Seigneur dit que j'arracherai la haie ou la clôture, un jour, Ezekiel, un jour il a dit au prophète Ezekiel, je vais tuer ta femme. Mais ne fais pas le deuil. Dans Ézéchiel 24. Dans Ézéchiel chapitre 24. Moi, si Ézéchiel, la femme d'Ézéchiel, elle est peut-être sa temple israélien en Israël. Représentait les temples qui étaient à Jérusalem. Zamba kosa la kapwe sa temple, on a parce qu'il y a monde qui a la fierté na bango. Le Seigneur va renverser, voulait renverser ces temples parce que c'est ce qui faisait leur fierté ou les délices de leur cieux. Compara yango na moi si Ézéchiel. Le Seigneur avait comparé cette ces temples à la femme du prophète Ézéchiel. Jésus-Christ est un temple. Jésus-Christ aussi est le temple. Vous aurez un amalan. Amen. Donc, véritablement, c'est Ézéchiel, c'est Jésus-Christ. La véritable femme d'Ézéchiel, c'est Jésus-Christ. Ézéchiel a ça, il est moyen éternel. Et Ézéchiel est le signe ou l'image de l'éternel. Donc, Jésus-Christ a ça comme la faiblesse de Dieu. Donc, Jésus-Christ a ça la kaloko la botaouto ko lemouyanza. Amen. Si tu remarques dans le jardin d'Eden, Satan, tant qu'il possédait qui le serpent, lorsque Satan avait possédé le serpent physique, a dit qu'à la côté les matins devant Adam, le serpent ne s'était pas mis devant l'homme Adam, a dit les mains devant la femme. Et le serpent était venu devant la femme pour venir la tenter. Maintenant dans Matthieu 4, maintenant dans Matthieu chapitre 4, dans Luc 4. Dans Luc 4, Satan t'est mis devant Jésus. Et Satan est venu devant le Seigneur Jésus. Place où on a Jésus à Ève. À cet endroit-là, Jésus est la femme Ève. C'est la femme d'Ézéchiel. Mais moi si y a Ézéchiel Moussakoli. C'est vous en amalant. Amen. Donc, il faut vous comprendre l'enseignement. Il faut comprendre l'enseignement. La haie là, Ezaraki, le temple. Moula koto lo pangouana ne tempe lo. La gloire de Dieu est à la Guyana. Le Seigneur a colombé au poids qui est destiné à l'examen Ézéchiel 10. Le Seigneur l'enlèvera pour partir. Je vous l'avais déjà parlé dans Ézéchiel 10. Maintenant, tant qu'on colombe la loupan. Maintenant, lorsqu'il arrachera cette clôture ou cette pour paix, qu'elle soit broutée. Pour baya colia vignoana. Donc, ce qu'on colombe la loupan, vous avez combattu l'anxiété. Donc, s'il arrache la clôture qui protégeait l'arbre planté. Et pour ça, là, qui est par insectes, baya colia maintenant. Et cela fera que les insectes viennent brouter la vie. Joël, Joël 1. Maintenant, c'est le prophète Joël qui l'avait vu dans Joël chapitre 1. Accomplissement Ésaïe 5, verset 5. L'accomplissement d'Ésaïe 5, le verset 5. Ma prophète. Le prophète bien-aimé. Matéa na bangonion se zaneti une construction à une maison. Tout leur enseignement c'est comme la construction d'une seule maison. Soko baby si quelque part les zaneti olongoli quelque brique ndako ça la fissure. Donc si tu détruis quelque part c'est comme si tu fais la fissure dans le mur ou sur le mur de la maison. Donc il faut respecter chaque pierre à sa place. Et segeni oto salibanga na libanga de sika na ngo. Ezana tina makasi. Et cela est très important. Yango lokola zamba lobi na Ezekiel na Isaïe. C'est pourquoi, quand le Seigneur, comme le Seigneur a dit dans Isaïe, il va arracher la clôture ou la haie qui protégeait la vie. Et il enverra les insectes pour brouter la vie. Maintenant, nous regardons ces insectes dans Joël chapitre 1. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Joël 1. Joël, la parole de l'Éternel qui fit adresser à Joël. Fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Na combien verset 3 à Joël 1. Le verset 3 de Joël. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Donc qu'il puisse raconter cette histoire, ce que fera l'Éternel à toutes les générations.
Ezane na verset 4. Le verset 4. C'est qu'a laissé les gazam. Oyo insecte gazam atiki. La sauterelle l'a dévoré. Libanki allié yango. C'est qu'a laissé la sauterelle. Oyo libanki atiki. Les gelèques l'a dévoré. Gelèque allié yango. C'est qu'a laissé les gelèques. Oyo gelèque atiki. Les asiles l'a dévoré. Asile allié yango. Alors le col attaque baso lia. C'était maintenant comme ces insectes dévorent là. Verset 5 et le verset 5. Réveillez-vous, ivrogne. Et pleurez-vous tous, buveurs de vin. Gémissez. Parce que les mots vous est enlevé de la bouche. Donc, tant que vous attaquez cet arbre, lorsque les insectes vont attaquer la vigne, le vin est retiré. Le vin est retiré de la bouche. Vous voyez bien comment on a classé la prophétie. Quatre insectes. Ici, on a classé quatre insectes. Mais en réalité, insectes mon commun n'a étape quatre. Mais en effet, c'est un seul insecte, mais dans quatre étapes. Donc il y a un insecte qui est là qui ne mange que l'écorce de l'arbre. Et l'autre qui est là qui ne mange que de feuilles. Ce sont d'abord des insectes naturels comme ça. Donc si tu comprends cela, ce sont des insectes naturels. Et ça, spirituel, la beauté. Ce n'est pas d'abord spirituel. Mais ça, maintenant, ils sont encore même spirituel. Maintenant, le Seigneur prend ces mouvements pour l'amener dans la prophétie. Quatre insectes. Joël a présenté. Que Joël nous a présenté. Il y a mon Esaïe a prophétisé dans Esaïe 5, verset 5. Que Esaïe avait déjà prophétisé dans Esaïe 5, 5. Soka longoli. Protection, si le Seigneur enlève ou arrache la protection là et ou la clôture, ordonnez à la brouter. Le Seigneur va ordonner que la vigne soit broutée. Et Dieu bénisse. Amen. Mais il faut mais tu dois savoir bien, pour l'église, pour l'ecclésia, la protection est là. Parce qu'ils ont la doctrine Oyo Bazoa Joël 1. Parce qu'il y a d'autres doctrines qui utilisent mal cette écriture de Joël. Pour venir la placer du temps de l'église. Pour l'église. Pour l'église. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais un peu de temps, vous me verrez. Parce que tant que vous avez vous là, c'est qui? Bino wana de banane. La E. Moulako. Protection. La clôture. Alors, je ne vous laisserai point orphelin. Je serai toujours avec vous. Dans l'ère d'Israël. Du temps d'Israël. Dieu le Seigneur ne demeurait pas dans le cœur du peuple. Mais aujourd'hui, les grands mystères, Oyo, Colossiens 1 à Zoloba. Les grands mystères dont nous parle Paul dans Colossiens. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ça, le grand mystère. L'homme a commis la maison de Dieu. L'homme qui devient l'habitation ou la maison de Dieu. Donc, c'est une grande chose, un grand mystère. Mais pour Israël. Mais pour Israël, le Seigneur avait dit qu'il va enlever la clôture. Et pour permettre que. Arbre menés à la brouter. Et il va permettre que l'arbre donne c'était Eliam à la bagnole. Et le Bélimoussous a continué de l'angoba bête des champs. Dans un autre langage, le Seigneur enverra contre cette ville le bête des champs. Parce que des sauterelles. Ils sont comparables aussi à une armée. Nous lisons Joël, Juge chapitre 6. Nous prenons Juge chapitre 6. Juge 6. Juge chapitre 6. Kokenote ate babuzoba oyo ba doctrine mosetea. Ne va pas prêcher des sottises que d'autres doctrines ont prêché. Otalisao église baléango nenemi. Oh l'ennemi a l'église est koufi. A dévoré l'église et l'église est morte. Quand on comprend les paroles terre. Là tu ne comprends pas la parole. Israël a zoaki la foi terre. Israël n'avait pas reçu la foi. Israël a zalaki kubikena na parole
l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Israël vivait de manière à mettre la parole en pratique par ses propres efforts. Et lorsqu'il ne parvenait pas, il tombait. Et la conséquence, c'est que le Seigneur enverra contre ce peuple les animaux des champs. Et c'est ce que nous avions vu dans Daniel 7. Et c'est ce que nous venons de voir dans Joël, les quatre insectes. Mais pour l'église du Seigneur, l'ennemi viendra comme un fleuve. Comme l'église a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu les mettra en fuite. Parce que lui-même avait dit, je vous enverrai notre consolateur. Consolateur ou Azanabino. Le consolateur qui est avec vous maintenant. Mais il sera en vous. Après, il rajoute. Je ne vous laisserai point en fait. Je viendrai à vous. Si alors du consolateur, on en est. Il a dit que ce consolateur-là, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et vous allez ôter. Et ce Saint-Esprit ne nous sera jamais ôté. Et ce Saint-Esprit, sa protection, arbre appelé l'église. Quel que soit le combat, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Juge 6. Ici, nous lisons Juge chapitre 6. Quand la nation basani koyako attaquer Israël, lorsque les nations viennent attaquer Israël, au verset 4 et 5, pour montrer que l'armée des nations est aussi représentée comme des sauterelles, ma part qui. Nabanina 3. Le verset quand Israël avait semé, tapo Israël a Zalaki Kolona, Nazana Juge 6, Madian montait avec Amalek. Madian Azalaki Koya na ba Amalek et les fils de l'Orient. Benaba na yangabu ebimelamo. Et il marchait contre lui. Azalaki Koya kokundisa Israël. Il campait en face de lui. Azalaki Koya kotia banai na bango liboso Israël. Détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Obebisa milona nyoso ya mboka kino na mboka Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Basala ki kotika na Israël ata eloko moko ya kolia te, ba meme te, ba ngombe te, ata ba punda. Car ils montaient avec leurs troupeaux. Bo basala ki komatana bibwele na bango. Et leur tente, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Là, quand Israël rejette la parole, le Seigneur envoie les insectes. Les insectes, wana, c'est une grande armée. Et ces insectes-là représentent la grande armée. C'est pourquoi vous allez voir Joël en parle encore. Et le Seigneur a l'obaki. Et le Seigneur avait dit. À partir, il y a Joël 2. À partir de Joël chapitre 2. Verset 18. Le verset 18. Ce qu'on suit texte. Prends les textes. L'écriture et le biboui. L'écriture dit ceci. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Yahweh a soumis na zoua pour na mboka na ye. Et il épargne son peuple. À Talisi na katerobele, l'Éternel répond et dit à son peuple. Yahweh a yanoli koye bisalibota na ye. Voici, je vous enverrai du blé. Dala na kotinde la kabino blé. Des mouilles de lui. Masanga pe mafuta. Et vous en serez rassasié. Bebino kokoton di samane yango. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Na kokaba kabino te na soni katikata bikolo. Nazu verset 25. Le verset 25. Awa na tagi kaka ke Nzambe. Ici le Seigneur dit qu'il ne les livrera plus à l'opprobre parmi les nations. Lorsque le Seigneur refusera de les livrer, qu'est-ce qui va se passer? Verset 25.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Nakozo qui se la bino bambula oyo banyama mike mike bali a sauterelle. Les Jelek. Jelek. Les Azil. Azil. Et les Gaza. Pe Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma pinga nanga ya monene ona tinda babundi sabino. Bozona na malam. Amen. Laissez le Seigneur qui utilise les ennemis. Lorsqu'il voit Israël dans la désobéissance, parce que chez le Seigneur il y a une armée à gauche et l'autre à droite, il pose la question à l'autre armée, qui séduira et lui il est là sur le trône. Maintenant on les répond de l'un d'une manière, l'un d'une autre. Et un esprit de mensonge vient se présenter. Éternel. Moi j'irai. L'Éternel a tout nié. Et le Seigneur lui a posé la question. Comment est-ce que tu agiras? Il a dit, lorsque je pars, j'entrerai dans ces prophètes. Et je serai un esprit de mensonge dans ces prophètes. Pour faire tomber à Kab. Le Seigneur a regardé la stratégie de cet esprit. Il a dit, va. Et tu réussiras. Qu'il aille mentir dans les prophètes. Tout cela, c'est parce que le Seigneur déjà prévoyait de faire tomber Akab. Le Seigneur avait préparé qu'Akab puisse tomber dans le mensonge. Oui, bien. Vous savez, bien aimé, Lilo, aujourd'hui, là, tu vois vraiment quelqu'un. On vient vraiment, on lui puise de l'eau à la rivière. Ce qui prophète Nayoana a lobi qui commis maille en Zambie. Son prophète lui dit que ça devient l'eau bénite. Il commence à vendre l'eau bénite. Mais il a la confiance dans vos macas. Il est très confiant à cette eau bénite. Zambie a livré. C'est le Seigneur qui les a livrés à ces mensonges. Mais toi, tu ne crois pas à toutes ces choses. Parce que Zamba boy. Parce que c'est le Seigneur qui l'a révisé pour ta vie. Amen. Tu sais, Malachie chapitre 1er, Loni. Malachie chapitre 1er, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Esaou na Jacob bazakina na libum. Esaou et Jacob étaient d'abord dans les seins maternels. Et Malachie a dit que le Seigneur avait haï Esaou dans le ventre de sa mère. Même s'il est né, donc premier-né, il va rejeter la préminence. Parce que Zamba linga qui était. Parce que déjà depuis le ventre, le Seigneur l'avait haï. Jacob, Jacob, depuis le sein maternel, il était aimé par l'Éternel. Le signe que le Seigneur t'a aimé. Parce qu'il t'a donné la parole. Parce que Romains 8 le dit que Oya yemba qui pango d'avance. Que ceux-là qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils. Il les a appelés. Donc, à celui qui te croit, il a fait que nous croyons la parole. C'est une grâce. Nous sommes sur ce chemin, non par nos propres. Mais nous disons chaque fois, Seigneur, merci. Tu nous as choisis et nous ne les méritons pas. C'est ton amour, Seigneur. Que nous sommes comptés parmi les hommes. Nous ne parvenons en rien. Nous ne pouvons même pas lever nos têtes. Mais c'est son amour. Et l'éloi aux la parole. Et toi, tu as la vraie parole. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce qu'il manque que tu peux lui donner? C'est toujours nous qui bénéficions tout en provenance de lui. Tout. C'est pourquoi tu quittes la caca et c'est pourquoi nous nous réveillons pour qu'il croisse davantage. Nous disons à tout moment merci Seigneur. Quel que soit le problème, quel que soit le problème que je peux avoir. Donc prosterne-toi devant lui. Ce qu'il a fait pour toi est plus grand.
faut savoir adorer ce Dieu-là. Ce ne sont pas les choses de la terre qui prouveront que le Seigneur t'a rejeté. Mais le fait qu'il a porté la chair, il est venu mourir. Pour toi et moi, il faut toujours dire merci Seigneur. Parce qu'il a brisé la prison. Parce qu'il a brisé le prise, la prison. A débrouillé l'ennemi. A boutoula qui est bouillonné. Pour adopter comme son fils. Pour qu'il puisse t'adopter comme son fils. Comme sa fille aussi. Le collaborateur à moi aussi. Il faut toujours lui rendre des actions de grâce. C'est lui ici qui dit. Les ennemis qui étaient venus bouter c'était ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Une église à Kinshasa. Une église à Kinshasa. Ils se sont concertés, ils ont prié. Et directement ils ont nommé leur église. L'armée de Joël. Ma pinga ya Yahweh à Joël. La grande armée. Ma grande armée Joël 1, 2. La grande armée. Il pense que quand le prophète dit la grande armée, ça c'est l'armée de la colère. Ça c'est l'armée de la colère quand Dieu se fâche contre son peuple. Donc quand le Seigneur se fâche contre son peuple, il peut utiliser toutes les verges pour le frapper. Il peut utiliser une verge pour te frapper. Lorsqu'il te reproche et tu n'écoutes pas, il prend par exemple la maladie et l'amène en au nom de Jésus. Tu chasses cette maladie au nom de Jésus. C'est cette maladie en ce temps-là qui est Jésus. C'est cette maladie-là qui est Jésus en ce temps-là. Sa grande armée. Tu n'écoutes pas, tu es toujours dans la vie de tes hommes. Donc il prévoit de t'arracher des jambes. Sa grande armée. Donc sa grande armée en ces temps-là. T'es privé des jambes. C'est lui. Celui-ci vraiment, il faut qu'il aille se reposer, ses frères. À Koufa. Donc il aille vraiment. Toujours sa grande armée. Et ça, ma pingane mon aîné. C'est comme ça qu'il travaille. Et ça, mon aîné, ça met à sala comme sala. À travailler avec l'armée à gauche, à droite. Il travaille avec toutes ces deux armées de deux côtés. Ma ben a gagné l'écriture, Dieu des armées. On l'appelle Zambé Yabibele, ma pingane yonso. Donc les armées au pluriel. Donc les armées au pluriel. Ici, comme Israël était désobéissant, a utilisé des insectes, ce sont des puissantes nations. Le Seigneur a utilisé des insectes qui sont des puissantes nations de la terre. En ce temps-là, on parlait du royaume de Babylone. Premier insecte. Donc, le premier insecte. Et Daniel 7 comme lion. Et c'est lui aussi dans Daniel 7 comme l'animal, le lion. Deuxième insecte. Le deuxième insecte. Yehoana kuna comme l'ours. Et qui est là-bas dans Daniel 7 comme l'ours. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. Troisième animal. Le troisième animal. Yehoana awawa aussi. Il est ici. Comme insecte et misate. Comme le troisième insecte. Comme Grèce. Comme l'empire. La puissante nation. L'empire grec. Puissante nation. Bazalaki wana pona ba déstabiliser l'arbre appelé Israël parce qu'Israël a boire qui parole. Ils étaient là pour déstabiliser Israël parce que ces derniers avaient rejeté la parole. Mais il faut aimer que Israël a si la canyon sauté. Mais il faut savoir que Israël n'est pas détruit tout entier. Parce que Zambata sa promesse à Ibsa Abraham. Parce que le Seigneur montre toujours la promesse qu'il avait faite. Il ne peut pas rejeter Israël pour toujours. Il ne peut pas rejeter Israël à toujours. Il faut toujours ramener. Il faut toujours qu'il puisse préparer un programme pour les ramener. Et quatrième insecte. Esa Rome. Empire romain. Yewana kunaza quatrième bête. Et c'est lui là-bas la quatrième bête. Et puis. Et puis, bien-aimé, Apocalypse 13 à Zolobé. Et c'est de lui que nous parle Apocalypse 13.
Suivez attentivement. Apocalypse 13 nous parle de la bête moko. Apocalypse 13 nous parle. Et basez-vous d'abord la bête moko dans verset premier. L'Apocalypse 13 commence d'abord par une seule bête d'Apocalypse. Sokozui. Daniel 7. Si vous prenez Daniel 7, va présenter bon verset 6 na 7. On les présente au verset 6 et 7. L'écriture et le Bible. L'écriture nous dit ceci. Verset 6. Après cela, j'ai regardé. Et voici un autre était semblable à un léopard. Troisième. Là, c'est comme le troisième animal. Verset 7 maintenant. Le verset 7. Il y a Daniel 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Maintenant, regarde les signes que Daniel nous a laissés. Et il avait 10 cornes. Vous aurez la malade. Suivez attention. Maintenant, il faut tomber dans la Bible. Lucaniamoazana 10 cornes. Maintenant, il faut marcher dans la Bible pour chercher l'animal qui a 10 cornes. Tous les gens commencent à un Apocalypse 13. On vient voir cet animal seulement d'Apocalypse 13. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Ben amoni komata na mayambu ni amamo kwa zala kina maseke zomi. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Niamao, il est balobé dans Daniel 7, verset 7. Cet animal, c'est le quatrième animal que Daniel nous parle au chapitre 7. Donc ils ont comme quatrième animal, ou ils ont royaume, quatrième royaume. Donc c'est le quatrième animal qui est le quatrième royaume. À partir, il y a temps, il y a Daniel dans Ézéchiel. À partir du temps de Daniel et Ézéchiel. Bah, nation, les sont pas puissantes nations. Ces nations-là sont des puissantes nations. Babylone. Babylone. Après Babylone. Médo-Perse, l'Empire Médo-Perse, après Médo-Perse, Grèce, après l'Empire Grec, après Grèce, Rome, et enfin l'Empire Romain. Il est le quatrième. Et c'est l'Empire Romain qui est le quatrième. Jésus-Christ est en voyage. Lorsque Jésus-Christ était à Potami, lorsqu'il fut né, à Koutama, Bélézé, qui n'a pas beaucoup, quatrième animal. Il avait trouvé la terre sous la domination du quatrième animal. C'est pourquoi en lisant Luc chapitre 3, à partir du verset premier, à partir du verset premier, nous lisons cette écriture. Tout ceci pour planifier notre entrée dans le quatrième saut. Et faciliter la compréhension. Pour te faciliter la compréhension. L'écriture est lobby. L'écriture dans Luc 3. Dans Luc chapitre 3. À partir du verset premier. Le verset premier. La 15e année, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. La 15e année du règne de Tibère César. Voula ya zo minamitano ya bokonti ya Tibère César. Donc, Romain. Donc, il était Romain. Parce que ma titre na bango ki bokonti ya César. Donc, leur titre impérial, c'est César. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, Hérode le tétrarque, son fils Philippe, tétrarque de l'Iturie, et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de la Dain. Abilène. D'abord César. Ici, on a montré d'abord César. Même temps où Marie a zalaki na zemi, même lorsque Marie était enceinte, César a lobaki et dit naé. César avait donné ou rendu un édit que recensement c'est le manama belé mobimba. Que le recensement se fasse sur toute la terre. Mais à pesa qui n'est qu'au Salem. Mais il avait donné le modèle. Motonion soit que ne goza la recensé na mboka isika azala ka botama. Que toute personne rentre dans son pays pour faire les recensements, pour être recensé dans sa ville. C'est dans Luc 2.
Dans Luc chapitre 2. Effectivement. Effectivement, bien-aimé. Ordre ou dit Rome. L'ordre provenait de Rome. César. Non, chez César. Mais à Pessipor, Nambabele Mobimba. Mais il a donné un ordre qui est sur toute la terre. Cela veut dire qu'on dominait toute la terre. Cela veut dire que César Auguste dominait toute la terre. Amen. Yende a za comme quatrième animal. Et c'est lui qui est comme le quatrième animal. Maintenant, dans l'air, quatrième animal. Maintenant, dit-on de ce quatrième animal. Et Jésus aya. Jésus est venu, est né. Tangwaya. Lorsqu'il est venu, na écriture moko azo poussana pembeni ya nzete. Dans une écriture, il s'approchait près du figuier. Azaki na besoin a bukazo mbuma. Il avait besoin d'avoir le fruit pour manger. Mais ce figuier là n'avait pas de fruit. Cela veut dire elingi koloba ayaki kopuka na leroyo. Nation, quatrième nation, ça qu'on dominait. Il était venu cueillir pour avoir le fruit du temps de la domination du quatrième animal. Mais comme Israël était lié à la loi, à Koka qui était qu'on manifestait les bons fruits. Israël ne pouvait pas manifester des bons fruits. Mais le Seigneur a trouvé qu'il y a ta fruit mon côté na Adam. C'est pourquoi le Seigneur n'avait trouvé aucun fruit dans ses figuiers. Mais Dieu ramène que ce qui est passé. Ça met à son Isakaka Kamayo les cas. Le lingue Israël arbre Azaki. Attaqué par quatre insectes. De la même manière, Israël, l'arbre était attaqué par quatre insectes. À partir du temps de Daniel. À partir du temps des prophètes Daniel et Ézéchiel. Oyobalobeli aussi dans Daniel 7 comme quatre animaux. Qu'on nous parle aussi dans Daniel 7 comme les quatre grands animaux. L'église aussi. De la même manière, l'église. Aza combattu par quatre chevaux. Et combattu par quatre chevaux. Zoran Amalam. Amen. Au moment total quatrième animal. Vous voyez comme nous avions vu le quatrième animal. Dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13. Donc il y a verset deuxième. Nous allons verset 2. Quatrième animal, c'est Rome. Ce quatrième animal là, c'est l'Empire. L'Empire romain. L'Empire romain a tant qu'on est en Europe unie. En ce temps-là, l'Empire romain, c'était l'Europe unie. Ce n'était pas Rome seulement d'aujourd'hui. Non. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Voilà, nous allons dire à Bissot, que bon, la montée, ma tête. Prêchons seulement la repentance et le pardon du péché. Nous autres, et l'eau, bon, ça, tient la Bible. Nous prêchons ce que le Seigneur a mis dans les Écritures. Nous autres, on va la Bible. Nous ne les prenons pas en dehors des Écritures. Des années, dans la Bible. C'est dans les Écritures. Nous autres, on va la Bible. C'est là où nous les prenons. D'autant que verset 1 à 2. Banyama Oeza na Bouali 7. Les animaux. Dans Daniel 7. Qui sont dans Daniel 7. Il y a Liboso et Zali Lion. Le premier animal. Comme lion. C'est le lion. Il y a Mibale comme ours. Et le deuxième comme l'ours. Il y a Misatu comme léopard. Le troisième comme le léopard. Il y a Mimebapisa et Kaka et Lemboya Tikor. Et le quatrième, on nous a donné seulement le signe qu'il avait dit comme. Maintenant, il y a Mimedan. Au Daniel à Monaki. Maintenant, le quatrième animal que Daniel avait vu. Yangonde Jean zo présenté à. Et c'est l'animal que Jean nous présente. Yogane que Jean zo présenté. Écoute comme Jean présente cet animal. Azogé le verset premier et le verset deuxième. Je reprends le verset premier et deux. Apocalypse 13. Apocalypse 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, Asangisi Banyama Misato Ezalaki Liboso. Donc, le quatrième animal a rassemblé en lui trois animaux précédents. Azaneti Litondi Yabo Satan. Donc, il est comme la plénitude de Satan. Yewanande Yamine. Donc, c'est lui, le quatrième animal. Natamu Yamine. Donc, du temps du quatrième animal.
nde Jésus aya na Israël. Jésus est venu en Israël. Boya kobuka fruit ya arbre. Pour venir cueillir le fruit du figuier. Asali pe musala na yena tawana en Israël. Il a travaillé aussi en ces temps en Israël. C'est Rome qui dominait la terre. Ezala ki loma, ezala ki kokonza mabele. Quatrième bête ya Daniel 7. Qui est comme le, la quatrième bête de Daniel 7. Ah, si, si, Moussa. Il a fini son ministère. Béané, toi, ami. Il fut enlevé. Rome a continué de dominer. L'Empire romain a continué sa domination sur la terre. Yamoba disciple dans le chemin de Maïs Balobaki. C'est pourquoi les disciples sur le chemin de Maïs avaient dit. Jésus a bimeliba. Jésus leur est apparu. Atuni bango bozo solo anikamuni. Il leur a posé la question sur quoi vous entretenez-vous. Albi akosaka yomo. Tu es le seul à Jérusalem. Eo yebite makambo yena Jérusalem. Qui ne sache ce qui est arrivé ou qui s'est passé à Jérusalem. Là c'est dans Luc 24. Dans Luc chapitre 24. Jésus atuni nini yamoni kina Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Batoua. Cléopas et son frère basalaki une belle confession. Ils avaient donné ou témoigné. Donc témoignage kito. Ils avaient bien témoigné sur basalaki n'a besoin pas expliquer Jésus Jésus. Ils avaient besoin d'expliquer à Jésus Jésus. Parce que Jésus était parmi vous sur l'année. Parce que Jésus leur avait posé la question sur quoi vous entretenez. Avo basantayi que oyo ezana ko Jésus te. Et ils savaient que lui qui nous pose la question n'est pas Jésus. Mais toi aider à comprendre Jésus. Mais aidons-les seulement à comprendre qui était ce Jésus. Mais là, parce que pas Mais tu es le seul à Jérusalem. Qui ne sache ce qui est arrivé. Jésus peut poser ma question. Jésus leur a aussi posé la question. Qu'est-ce qui est arrivé? Bah, dit, oui, on élit Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus. Maintenant, il va définir Jésus et pas Jésus. Maintenant, il voulait définir Jésus chez Jésus. Parce que Jésus a compris. Parce que pour que Jésus le comprenne. Alors, Jésus, wana, il a dit c'est Jésus là. Aza, l'homme puissant. Yeswana, zali, montuna, nguya. Ils ont pas compris. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, comprends Jésus. Aza, l'homme puissant. Montuna, nguya. Devant Dieu. Liboso, nzambe. Et devant les hommes. En parole et en acte. Donc, en résumé, ce qui est Jésus. Il voulait résumer la personne de Jésus. Et pas y a l'homme à délivrer Israël entre les mains de Yabamou. Qui délivrerait Israël de la main de ses ennemis. Donc, on a ma Romain. Entre les mains de Romain. Mais t'as la basse, Bakendaki. Écoute les femmes qui provenaient du sépulcre que nous ont dit qu'il est ressuscité, il n'est plus. Donc c'est que, c'est-à-dire, quand le Seigneur a yé, lorsque le Seigneur est venu, dans le quatrième royaume, du temps de la domination du quatrième royaume, ayaki po abuka aussi fruit. Il était venu aussi pour cueillir le fruit du figuier. Asisi pe musala na ye. Il a fini son ministère. A cueilli. Il fut enlevé. Quatrième royaume est continué. Le quatrième royaume a continué sa domination. Et quatrième royaume a sangi sa trois premiers royaumes de Daniel 7. Et le quatrième royaume rassemble les trois premiers royaumes de Daniel 7. Nakatiya so. Dans le sceau d'Apocalypse 6. Sokozui couleur ya pembe. Oui, c'est le premier sceau. Si tu prends la couleur blanche du premier sceau. Ozui aussi couleur rousse. Oui, c'est le deuxième sceau. Tu prends aussi la couleur rousse du deuxième sceau. Ozui couleur noire. Et la couleur noire du troisième sceau. Et tu les rassembles. Et copé ça yo pâle. Ça va te donner la couleur pâle. Amen. Donc verdâtre. Donc la couleur et verdâtre. Donc la couleur pâle. Bonne année. Pourquoi? Na, c'est ce qui a été na elimbo pour na makambo ezalaka nyama ya mine azosangisa banyama nyonso oyo bazali boso na ye. Le quatrième animal rassemble à lui seul tous les trois animaux précédents. Lolenge moko na baso. Et la même manière aussi dans les sceaux. Quatrième sceau. Le quatrième sceau. Ezali tondi ya premier, deuxième, troisième. Donc c'est le rassemblement du premier, deuxième et troisième sceau. Comme l'étape ya quatrième royaume. Comme l'étape du quatrième royaume. Jésus est devenu. Yesoyaki. Pour bouka na arbre. Pour venir cueillir dans l'arbre. Appeler Israël. Oh Ezali. Lolenge moko na baso. De la même manière aussi dans le sceau. Jésus viendra na quatrième sceau. Yesu akoya na ndanga ya minei. Mais boye buka arbre appelé l'église. Maintenant pour venir cueillir le fruit de l'arbre qui est l'église.
Parce que je dois marcher par rapport à ce qui a été. Pour venir bien voir ce qui sera ou ce qui est. Donc bien aimé. Dans le quatrième saut, le Seigneur a oya pour l'enlèvement. Le Seigneur viendra pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Pourquoi les choses sont ainsi? Dans le quatrième royaume. Parce que le quatrième royaume. Parce que c'est sous la domination du quatrième royaume que Jésus est venu visiter l'arbre qui est Israël. Israël est comme un signe. Et Israël est comme un signe. Et l'Église est la réalité. Et l'Église comme la réalité. Mais tout à l'ici. Mais nous avions montré. Nao et Dali. Israël, en ce qui concerne Israël, Azali brouté, il est brouté tout à Liami. Donc Azol Aliami ne n'a pas bicolo oiza bicolo ya mouya na mabele. Donc Israël est dévoré ou brouté par les puissantes nations de la terre. Tangu bakosi samusala na bam. Lorsqu'ils vont finir leur travail, Dieu remplacera les années qu'ont dévoré la souterraine, les gazis, les azam. Zambi a koya kozon ki se la bango ba vula nyonso oyo ba nyamawana ba liaka. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous me suivez attentivement? Parce que n'angamba Israël. Parce que du côté d'Israël, Israël a besoin de toujours foulé aux pieds par les nations. Israël est baboni à taille tout coupé, mais ça est pas épicole. C'est Luc 21 de l'obagiam. C'est Luc 21 qui l'avait dit. Dans verset 29. Au verset 29. Verset 24 plutôt. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Quand est-ce que le foulement au pied de Jérusalem prendra fin? Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Temps des nations est un temps église. Le temps des nations, ce n'est pas le temps de l'église. Temps des nations est un temps oyoyo. Ma nation va nous diriger ma belle. Le temps des nations, c'est le temps où les nations ont la domination sur la terre. C'est le temps des nations. Si on te posait la question, le temps des nations. Les hommes à partir à Égypte. Commence à partir de l'Égypte. À Syrie. Babylone. Médo-Perse. La puissante nation qui dirige la terre. Les puissantes nations qui dominent la terre. Mais tant ou tant des nations aussi, Israël peut la fouler aux piété. Et lorsque les temps des nations seront accomplis, c'est alors que le foulement d'Israël cessera. Et tant des nations aussi, la guerre Armageddon. Et les temps des nations prend fin à la bataille d'Armageddon. Le Seigneur a qu'on combattre. Ma puissante nation. Le Seigneur viendra combattre les puissantes nations. Après ça, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gelèques, les azirs et les gazams. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette écriture là pour nous. Je vous remplacerai et salimi na croix. Je vous remplacerai ce fait à la croix. Yango, après cela, je répandrai de mon esprit. C'est pourquoi, après l'œuvre de la croix, on a répandu le Saint-Esprit. Acte 2. Acte chapitre 2. Mais pour Israël. Mais non pour Israël, peuple. Israël. Bah, insectes, on est allé à Israël. Ces insectes dévorent encore Israël jusqu'à aujourd'hui. Tant des nations aussi là. Jusqu'à ce que les temps des nations se alors Dieu remplacera. Et Zambakoya Kozo qui se la bango ban voula nyonso. Yango Zacharie 12 pour Israël. Et c'est ça, Zacharie 12 pour Israël. Verset 10. Le verset 10. Zacharie 12, verset 10e. Zacharie 12, le verset 10. Mais d'abord, la paix, verset 9e. Y a Zacharie 12. Où ils ont allé sa prophétie Armageddon. Donc, la promesse du verset 9, c'est concernant la bataille d'Armageddon. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. En ces jours-là, Namokolo, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais là, si combat, maintenant, si
il finit ses combats. Oui, il en a verset 9. Qui est au verset 9? Il faut quand il s'en Apocalypse 19. Il faut marier cette écriture Apocalypse 19. À partir du verset 11e, tiens, verset 19e. À partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Dans la Goyana combat Armageddon. Lorsqu'il viendra dans la bataille d'Armageddon. Écriture, il y a combat d'Armageddon, c'est en Apocalypse 16, verset 16. L'écriture de la bataille d'Armageddon, c'est Apocalypse 16, le verset 16. Maintenant, verset 10e, Goya. Maintenant, le verset 10 viendra. Il y a Zacharie 12. Et Zacharie 12. Ce qui s'embrasse ici, combat. Si le Seigneur finit de déclarer. Oui, il y a verset 9. Qui est au verset 9? Il y a Zacharie 12. Zacharie 12. À combien dans le verset 10? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Pena simawana na kosopa likolo ndaku ya Dawidi pe bafandi ya Yerusalem molimo moko ya ngolu et les supplications pe ya libondeli et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé pe bakobalusa biso na bango epai na ngai ngai oyo batuba ki ngai likonga po bakomanga ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique pe bakolelaka likolo na ye ndenge balelaka matanga mwana likinda elembo na yango okomona ke tangu Yesu a oui. Les signes de cette écriture, lorsque Jésus fut ressuscité, disciple. Il est venu visiter ses disciples. Dans Jean 20. Dans Jean chapitre 20. Thomas, à la Thomas était absent. Maintenant, le Seigneur a dit. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Recevez le Saint-Esprit. On soit connu au centre. C'est-à-dire, Thomas a raté le Saint-Esprit. Maintenant, tant Thomas est. Maintenant, lorsque Thomas est revenu. Bah on a déjà en bas formulé intelligence. Donc, les autres là qui étaient déjà ouverts. Bazoté à Thomas. Ils étaient en train de prêcher. Le Seigneur est ressuscité. Encore le Seigneur est ressuscité. Encore le Seigneur pensa. Thomas on dit matin. Thomas ne croit toujours pas. Bon, intelligence est formellement quittée. Parce que son intelligence n'était pas encore ouverte. Azolo parce qu'il n'a moni ma boko na ete. Et si je ne vois ses mains. Vous en avez malin moi. Tous ces temps là. C'est ces temps de l'église. Israël a raté l'ouverture de l'esprit. Israël a raté l'ouverture de l'intelligence par le Saint-Esprit. À date que Christ est ressuscité. Même si nous prêchons la résurrection du Christ, animaté. Israël ne le croira jamais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus a Yesu. Jésus est revenu. Mais tant que nous sommes venus à Yébon à Thomas. Il a dit Jésus est revenu seulement pour Thomas. Thomas, on a des Israël. C'est Thomas là, c'est le peuple d'Israël. Il y a mon Zacharie 12, 10. C'est ça, Zacharie 12, 10. Ah, va vous traverser. Ils vont regarder. Yende Thomas. C'était lui que nous avions percé. Alors, bah, vous avez un esprit à repentance, pas collé là. Alors, ils nous plairont. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous l'avions tué? Joseph, tant que Bande Konaye, Bazolé là, a regretté. Lorsque les frères de Joseph étaient en train de regretter leur acte, bah, il dit si, il est papa, nous pas qui ont pardonné notre iniquité. Papa avait dit. Pardonner notre iniquité. Parce que Jésus a voyagé pour expier l'iniquité à Israël. Parce que Jésus viendra pour expier pour l'Okolanisoumou. Joseph na Genèse 50. Joseph dans Genèse 50. Alors, mais non, na tekamaki pona sali à plusieurs. Il avait dit j'étais vendu pour le salut de plusieurs. Il faut évaluer le Seigneur à mon fils aussi pour Nanga. Il faut savoir que bon le Seigneur est mort aussi pour toi et pour moi. Il fallait que cela puisse se faire par les canaux d'Israël. Pour que Sephora soit marié. Il fallait qu'on puisse s'opposer à Moïse. Il fallait qu'on puisse s'opposer à Moïse. Il fallait me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Yeah. Et Moïse fuira. Et Sephora posa liba. Et Sephora sera épousé. Va-t-il Esther à Zalibala. Esther était épousée par le roi. Va-t-il à Zalagi Teddy. C'est parce que Va-t-il était têtu pour tout. Et
Esther Akoloba. Esther dira. Ngai moumbu pamba. Moi une esclave, pauvre esclave. Moi une pauvre esclave. Mais la commune au palais royal. Mais je suis parvenu jusqu'au trône au palais royal. Les apôtres Vasti a tout ça qui m'obalitait. C'est parce que Vasti n'avait pas obéi à l'époux. Kozanga koto sa mobali et comment qui richesse pour Esther. La désobéissance de Vasti était devenue toute une richesse pour la reine Esther. L'olenge mon commissaire, non? De la même manière nous aussi aujourd'hui. Israël, les la désobéissance d'Israël, c'est la richesse que nous avons reçue. Le Seigneur est venu vers nous. Et il fallait qu'Israël puisse désobéir pour que nous puissions recevoir cette richesse. Mais tant mon abango est croya. Mais leur temps aussi viendra. Oui, ça dit tant Thomas. Qui est comme les temps de Thomas. Natawana intelligence ne fonctionne pas qui te passe qu'à qui. Recevez le Saint-Esprit. En ce temps-là, l'intelligence de Thomas n'était pas ouverte parce qu'il n'avait pas reçu l'Esprit à la parole de Jésus. Puis aujourd'hui, nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons dit que là déjà, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle et gelec. Nous vivons déjà le temps de la restauration des années dévorées par les insectes. Et Bisso, et nous, bien-aimés, nous avons dévoré un mot par chute d'Adam. Et cette destruction là, c'est par la chute d'Adam dans les jardins. Le fait que l'ennemi a coué ça qui est Adam. Le fait que l'ennemi avait fait tomber l'homme. Ça m'a été restauré par l'œuvre de la croix. Le Seigneur est venu restaurer par l'œuvre de la et croix. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dans l'Église. Dans l'Église. Le Saint-Esprit t'a mis pour la gage. Le Saint-Esprit a mis le col à assurance moko et le col à l'acquio. Ah, donc ils en ont le que. Donc de la manière. Notre corps sera changé pour porter le corps de gloire. Il y a un mot dans Saint-Esprit. C'est ça le but ou le rôle de l'Esprit. Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne quitte jamais un enfant de Dieu. Ils en ont une garantie. Donc c'est comme une garantie. Qui nous confirme que notre corps sera changé un jour. Donc le Saint-Esprit est venu pour cela. Dieu bénisse. Amen. Nous avions marché comme ça pour montrer que dans le quatrième saut, donc le quatrième saut renferme en lui toutes les trois couleurs. Na premier saut, na deuxième saut, na troisième saut, combo ya cavalier bomba magi. Donc au premier saut, deuxième, troisième, le nom du cavalier était un mystère caché. Mais na quatrième saut. Mais au quatrième saut, son nom c'est la mort. Alors dit combo na ye liwa kufa. Amen. Combo est dévoilé. Donc son nom est dévoilé au quatrième saut. Parce que le quatrième être vivant, c'est l'aigle qui vole. Le quatrième être vivant est pourquoi Zali Mopimboa. L'aigle qui vole. Lorsqu'on nous parle de l'aigle qui vole, bien aimé. Et quoi ça cabane? Donc c'est pour briser, faire tomber toutes les choses. Parce que le Seigneur a vu Israël comme l'aigle qui vole. Parce que le Seigneur était venu faire sortir Israël en Égypte comme l'aigle qui vole. C'est Exode 19, verset 4. Exode 19, le verset 4. A brisé qui chaîne les nions. Il avait brisé la chaîne de la servitude. Et le l'aigle est mort comme l'aigle. Et de la même manière avec l'aigle. Parce que l'aigle a brisé l'ignorance. Et l'aigle brise l'ignorance. L'ignorance est la prison comme ma casse. L'ignorance est une grande et dure servitude. La fausseté. L'idée à ma bête. Et ça vraiment prison comme ma casse. C'est vraiment une grande prison servitude. Mais la vision de l'aigle brise à Kayango. Parce que mon Israël a pomme et boukaka. Oui, pèse à la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour te donner la sagesse, poigne et en zabou et ton abalan. La grâce, Ngolou. La lumière de la parole. Polé à l'iroba. Être vivant à battre. Les êtres vivants, ce ne sont pas des hommes de la terre. C'est Dieu dans les services. Les âmes à Katia Moussala. Il y a mon Ézéchiel 1, verset 7. C'est pourquoi dans Ézéchiel 1, le verset 7. Ma colonne a ça ma colo ya ngombe. Leur pied était semblable au pied d'un veau. Aigle, les athées, aigle, être vivant, ma colo, les années de Manzaka Bilaï, n'est pas.
L'aigle des êtres vivants n'a pas décrit fou de ceux comme les païens branamistes le dessinent. Il dessine un animal dans son sac avec des griffes de ceux, et puis avec l'épée. Dans Ézéchiel 1, verset 7. Lis bien Ézéchiel 1, le verset 7. Aigle et à être vivant. L'aigle de l'être vivant. Ma colonnée à Ngombe. A les pieds de veau. Soka Tony Bonani. S'il pose la question pour Ngombe à Tarisaka Moussal. Parce que le veau ou le œuf représente les serviteurs. C'est-à-dire Dieu qui est esprit. Akotambola nase. Va marcher sur la terre. Comme veau. Comme un veau, moi comme un sali, comme un serviteur. Donc Dieu se fait serviteur. Ça peut amener sali, mon sali. C'est ça les êtres vivants. Né dans cette église. C'est pourquoi tu le bats dans l'église. C'est pourquoi nous disons dans l'église. Soki na te. Si je prêche. Na sirisi. Je termine. Dans mon enfant. Lorsque je m'assois. Vraiment, nazaranga inutile. Moi vraiment, je suis un serviteur inutile. Na salika kawe tinda makina ngai pona sa. Je ne fais que l'œuvre qui m'a été envoyé de faire. Yango Paul a lobaki. C'est pourquoi Paul avait dit. J'ai semé. Na loni. Apollos a arrosé. Apollos a écosé pas mal. Alors dit celui qui est grand. Oh y a ça mon aîné. Ce n'est ni celui qui sème ni celui qui arrose. Et ça peut monter à son pas mal tenir langa. Ah on a ni golo belo comme on. Ici j'aimerais dire une chose. Paul bien aimé. Alors bas qui est dans 2 Corinthiens 4. Il avait dit dans 2 Corinthiens 4. Alors dit à tapo koko zala na plusieurs mètres. Même si vous aurez 10 000 mètres. Vous en a père moko. Kasi ozali kaka na tata moko. Père wana ezali ki de Paul. Be tata wana ezali ki Paul Otoma. Oyenda enseignaki bango. Parce que c'est lui qui avait enseigné le frère de Corinthe. Donc yende abandi musala. C'était lui qui avait commencé l'œuvre. Alors lesquels Nzambe akambaki ye. Selon la grâce que Dieu lui avait donnée. Donc on remarque ye ozali ki père. Mais tu vas remarquer que lui qui était père. Alors qui Dieu a tinda qui était pour baptiser. Il avait dit que Dieu ne lui avait pas envoyé pour le baptême. Baptême c'est l'œuvre de Dieu. Le baptême c'est l'œuvre de Dieu. Oyo nazoni ngana longola moi et l'obelieu ezalaka na mangomba. J'aimerais ôter les langages qui se trouvent dans les assemblées locales. Okuta na moto, vous allez croiser quelqu'un. Papa na ona na makamaza. C'est qui ton père dans la foi? Oh papa nangai. Oh mon père. Kiala. C'est le prophète Kiala. Bonne pourquoi? Si yenda baptisé. Si lui m'avait baptisé ce jour-là. Bible, dans la Bible, frère. Oui, ça, là, papa, ça, oui, à baptiser. Les pères, ce n'est pas les baptiseurs. Parce que Paul a dit même pour baptiser. Parce que Paul ne baptisait pas. Mais, ça, là, il père. Mais il était père des frères de Corinthe. Et ça, pour celui qui a sémé. Oui, il faut avoir l'esprit de l'écriture, frère. Et lui-même a dit, et chez vous, je n'ai baptisé qu'une seule famille. Il a cité quelques frères qu'il a baptisé à Corinth. Mais c'est lui qui était père à Corinth. Parce que c'est lui qui avait commencé l'œuvre avec eux dans l'enseignement. Donc il faut enlever la pensée que si c'est moi qui t'avais fait entrer dans les eaux de baptême, c'est moi ton père. C'est moi qui t'avais enseigné l'enseignement. Répands-toi. Je t'ai dit, répands-toi. Attache-toi au Seigneur. Simba, parole de Dieu. Saisis la parole. Suis la voix de Dieu. Et tu as écouté la voix de Dieu par exemple pour la première fois par mon canal. C'est sa paix. Mais la Bible dit ceci. Que ce soit celui qui a sémé. Comme père. Que même celui qui vient arroser. Ils ne sont pas des grands dans l'œuvre de Dieu. C'est celui qui fait croître, c'est celui-là qui est grand. Amen. Tu comprends la Bible? Non, mon maître. Oh, c'est mon maître. Oh, père. Père. Et tous ne sont pas des grands dans l'œuvre de Dieu. C'est l'écriture. Il est commis. Grand. C'est celui qui fait croître l'œuvre. C'est Dieu. Et
Ce sont des instruments par lesquels tu as utilisé pour que tu reçoives la parole. Donc, ça a comme un esprit écriture à ma poudre. Il faut avoir vraiment la logique des écritures. Oui, des apôtres. Honorer, et tu sauras honorer tout tes oui, respecter, tu sauras aussi les respecter. Il fait que Bangon n'est pas au conseiller la parole. Il fait que ce sont eux qui t'enseignent la parole. J'ai parlé ainsi parce que je l'ai vraiment ressenti. Parfois tu peux être là. C'est qui ton père dans les choses de Dieu? Adungu par exemple. C'était le pasteur là qui m'avait baptisé. C'est le pasteur. Faut que ça soit celui qui t'avait enseigné la parole pour la première fois. Celui qui avait semé en toi. C'est le père. Il y a des tatas là où la condima. Maintenant tout le monde. Ezala osa père. Que ce soit que. Ezala osa nan. Que ce soit toi maître. Bisonyos osa kana écriture. Nous tous nous sommes sous l'écriture. Osala na wana. Amen. C'est l'écriture qui règne. C'est pourquoi Paul dit Nasalaki ke makambo na plikango à ma personne na personne Apollos. Nasalaki kosala ite makambo na tiango na misala pena Apollos pe asale na yango. C'est dans 1 Corinthiens 4 verset 6. Dans 1 Corinthiens 4 le verset 6. Alobi ponani. Pourquoi? Afin que boye kola na nzela na biso bate. Afin que vous appreniez à nos personnes. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Lorsque tu regardes les écrits, et cela te donne le souci de rester toujours dans ce qui est écrit. C'est ce qui est pour la loi. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, le verset 6. Donc c'est que, c'est-à-dire, ici nous avons vraiment montré que la quatrième saut, dans le quatrième saut, le Seigneur a besoin de son église. Le Seigneur viendra enlever son église de la terre. De la même manière que c'était dans Israël. Comment est-ce qu'il avait marché avec Israël? Quatrième royaume sur la terre. Lorsque le temps du quatrième royaume est arrivé. Ce royaume-là renfermait en lui-même les trois précédents animaux. Et Jésus est venu en Israël. Du temps de ce quatrième animal pour cueillir dans l'arbre de figuier. L'église aussi. De la même manière, c'est un arbre. Et ça, Romains 11. Le Seigneur viendra l'enlever. Au quatrième saut. Et Dieu bénisse. Là d'abord, nous avons présenté comme donc, ça. Tant aux autres à quatrième saut. Lorsque nous prêchons le quatrième saut, on a vini toi et Gozarana 4. On va voir l'enlèvement des dents. Et après l'enlèvement, Pesana 4. Et après l'enlèvement, c'est toujours dans le même quatrième saut. Toujours dans le quatrième saut. Parce que nous avons vu Jésus venir du temps du quatrième royaume. Il est venu en Israël. Il est venu chercher les fruits dans le figuier. Il est parti. Quatrième royaume est continué. Et le quatrième royaume a continué sa domination sur la terre. De la même manière dans le quatrième saut. Il viendra pour prendre l'église et le quatrième saut continuera. Que Dieu bénisse. Amen. Et que le Seigneur la bénisse. Et que le Seigneur te bénisse. La paix du Seigneur est à l'ensemble. Et que la paix du Seigneur soit ensemble avec nous. Zambé à salé na yo malamu miki. Amen. Que le Seigneur t'ouvre de bons chemins. Que Dieu te bénisse. Zambé à papa. Seigneur, merci parce que vous allez en bien. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant. C'est ta grâce qui a fait que nous puissions faire ce service. Montre-toi favorable pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.